il l'enlace, tout est un peu... Tout le monde a tout arrêté pour m'écouter. Là où il y avait la ville, c'est devenu la mer. 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 Et mer. Tout mer. État d'excitation. Il le hisse sur le plateau. Puis elle retombe. Ils sont assez obéissants quand même. Hein. L'histoire est très épique. Et ça a été le pire Noël de toute notre vie. Et là, tout le monde croit que c'est fini. Et ça reprend!
et qu'ils entendent et voient sa tête bleue. Depuis longtemps, j'ai très envie d'attaquer directement un sujet qui m'est cher. C'est le sujet de l'intolérance des humains à la différence. Donc, il m'est venu cette idée d'un animal, parce que pour parler aux enfants, il faut parler des animaux. D'un animal impossible, parce que c'est une orang-outan. Déjà, une orang-outan, ça veut dire quoi? Tout le monde sait que c'est un orang-outan. Donc, il y a aussi, évidemment, un propos sur le genre. T'as intérêt à être roux, on balance. Même blanc, on balance. Alors, bleu acrylique, t'imagines? Dans le revent. Une orang-outan bleu électrique. Donc, ça n'existe pas. Donc, elle est impossible. Donc, elle va être très maltraitée par sa horde. Et cette parabole permet de dire aux enfants des choses qui nous sont très chères. Elle ressemble enfin à tous les orang-outans du monde. Ça commence à bien faire. Qu'elle soit comme une extraterrestre.